Bah écoutez, nous avons... Des femmes libres ? Ah oui, enfin, femmes libres. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein ? Ça dépend ce que vous voulez dire par femme libre. Oui, pour vous, la femme libre, c'est la femme qui peut fumer à la table d'un café, qui peut librement... Oui, elle fume dans les cafés, elles peuvent boire s'habiller comme elle veut, montrer son nombril. Oui, pourquoi pas ? Ça arrive, oula ! Ça arrive aussi. C'est une attaque terroriste. Oui, voilà, il a senti le... la fumée, là. Oui. Bon... Non, donc une certaine liberté dans la société, sérieusement. Une certaine liberté, c'est vrai, parce que bon, moi j'ai fait un peu les pays arabes. Il y a quelques années, j'étais à Alger. J'arrive, j'avais les bras, vous voyez, il faisait chaud, donc j'étais... Vous avez montré vos bras. j'ai osé, je ne savais pas que c'était pas très, très accepté, mais bon... chaque pays a ses tares, hein, et nous ça dépend des quartiers aussi, hein, il ne faut pas croire, il y a des quartiers où on ne peut pas aller en mini-jupe. Il faut être voilé ? Non, pas voilé, mais avoir une jupe, je veux dire, la mini-jupe, elle n'est pas acceptée, mais les jupes sont acceptées quand même. Donc plus de liberté quand même. Non, nous ne vivons pas dans la jungle, ça c'est sûr. Hein, ouais, ouais. Une société plus ou moins libérée. Ouvert. Non, très ouverte, ouais, ouais. Nous on n'a pas de problème. Moi en tout cas, je ne me suis jamais posé la question s'il faut que je mette court, long, etc. Est-ce qu'il fait bon vivre de vivre au Maroc ? Je vous invite. Ouais, bon.